Hey, 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 coucou mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Et aujourd'hui, nous allons encore et toujours continuer d'acheter les petites maisons. Et vous êtes plusieurs à m'avoir fait des espèces de défis. Ah, mais il y a encore des petites maisons quand même. 94 mètres carrés, 105, 84, 99, 155, 145, 143, 110. Ouais, c'est un peu... Waouh! La maison elle-même. Elle est enneigée celle-là, c'est pour l'hiver. Ok, vous êtes plusieurs à m'avoir fait des petits défis. Donc, que je les réalise tout de suite ou pas, sachez que je les garde en tête. Alors, on va aller là. Oh, Pini, ça a l'air sympa. Ah, bah écoutez, un coup de nettoyage et on est fini, hein. Hein, ça sera un des challenges qu'on m'a proposé d'ailleurs. C'est la maison d'une véritable légende, entièrement équipée. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu. Camille Cole, je sais pas quoi. Allez, on achète. Et on y va directement. Bah oui, regardez, moi je vais juste la nettoyer et la revendre comme as. Hein. Moi, ça me fait gagner du temps aussi. Hein. Alors, cette petite maison, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je vais pas sortir mon truc. Encore avec un arbre devant, c'est sympa. J'aime bien, pour l'instant. Il n'y a pas de saleté devant. Le retour des cafés. Oh, regardez comme c'est beau. Bah, je trouve que ça va. Hein. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Ah, c'est un gamer qui habitait là. Bon, allez. Je veux le jeu des boîtes de pizza. Combien de boîtes de pizza dans cet épisode je vais jeter? Ah, bah mince. Il y en a... Il faudra faire un replay parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis. Oh la vache, oui. Tac, tac. Tac. Un PC? Mais non. Mais attendez, il doit valoir super cher à la revente, lui. 467. Ah, avec la télécommande et tout. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est... C'est un rocher? Pourquoi il y a un rocher dans la maison? On m'explique? Ah oui, d'accord. Une souris qui se balade. Des ordures. Encore des boîtes de pizza. Attention. Je fais un arrêt sur image pour que vous comptiez. Tac. Il y en a moins. Paf. Ah, des cafards. Ça, je vais... Hop. Encore... Attention, il y en a encore là, des boîtes à pizza. Tac. Tac. En fait, comme j'ai amélioré... le truc des ordures, ben, ça m'en enlève plein. D'un coup. Donc effectivement, c'est fini le 1 à 1. Pourquoi il a son téléphone par terre, lui? Ah, encore une boîte à pizza de plus. Franchement, voilà. Hein, ouais, ouais, ça mérite un petit coup de propre, hein, je dis pas le contraire. Allez, monsieur et madame les cafards. Ça fait longtemps, hein, les cafards, quand même. J'avoue. La seule fois où on l'a vu, c'était dans des missions. C'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'ils disaient à côté, les acheteurs, là. Qu'est-ce que vous disiez? C'est bon, il y en a plus. Oh là là, c'est dégoûtant. Non, tu crois? Après, les cafards, même si on a un aspirateur, je suis pas sûre, hein, je pense qu'ils reviennent. Hein. Pire, ils font des bébés dans l'aspirateur, et puis... Tiens là, toi. Ne t'en va pas. Ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, les malentendus. Ah. Ah, il y en a encore un. Ouais, faut que... Tu as détruit le nid de cafards, super. Mais en tout cas, je sais pas qui c'était ce gamer. Mais il est bien dégueulasse. Ça n'a pas l'air d'être squeezy, je l'ai rarement vu pouffer. Alors là, comme ça, instantanément, je pense à Terracide. L'un qui est Terracide qui... D'ailleurs, on jouait à... on fait un épisode sur House Flipper. Donc c'est cool, ça a fait connaître le jeu. Mais bon, ils ont fait qu'un seul épisode, quoi. Ils ont fait les cons, comme d'habitude. Mais ils ont effectivement fait... Enfin, ils sont toujours en train de bouffer, quoi. Ils parlent toujours de bouffe et tout ça. C'est pour ça que je me moque gentiment d'eux.
Voilà. Ça va faire du bien, ça. Hop, on va installer, réparer le radiateur pour arrêter que le gouttage. Parce que ce stade-là, depuis le temps que ça goûte, que ça coule, le parquet devrait être complètement ondulé. Et moi, franchement, là, la maison, je vais la revendre telle qu'elle. Hein. Enfin, telle qu'elle. Avoir après un coup de lavement, là. Et puis, vite fait, un réaménagement, peut-être, des meubles. Voilà! Regardez-moi tout ça. Ouais, est-ce que le gars, il a un écran télé et encore une télé derrière? C'est spécial, hein? Moi, je dis oui, pourquoi pas? On n'a pas encore été voir ailleurs, on dirait. Non, mais c'est nickel! Attendez, je sais plus. Bah, franchement. Ouais, vite fait, le chiotte. Ok, d'accord, ils vont nous vouloir absolument qu'on change. Bah, je referai la salle de bain, mais je vais pas refaire le cardage, quoi. Parce que je pense qu'ils veulent absolument qu'on supprime ça, non? Je sais pas trop. Bah, non, franchement, elle est bien. Ah, attendez, il y a des trucs à virer ici. Hop. Voilà. Ici, c'est quoi? Bah, c'est... Bah, je vais faire une chambre. Ça va, il n'y a rien. Hein. Elle est très, très clean, cette maison. Ça change. Ça fait du bien, on respire un peu. La chambre. Ah, encore des cartons de pizza. Je vous laisse compter. Attendez, je nettoie le lit en attendant. Je nettoie le lit et... Pouf, il n'y a plus de pizza. Comment ça, il n'y a plus de pizza? Oh. Mais surtout, nous, on n'a pas les étagères avec les DVD là-dedans, quoi. Moi, j'ai pas les DVD. Je peux pas mettre de DVD. Ah. J'ai trois télés. Comment ils faisaient pour regarder trois trucs en même temps? Peut-être qu'il en suivait qu'un seul avec le son et les deux autres avec l'image. Ah, ah. Imaginez un match de foot ici. Ah non, il y a quatre télés. Alors, un match de foot, un porno, les infos et un film. Moi, je sais pas, moi. Pourquoi il a des cailloux chez lui, bon sang? Oui, bah ça mérite... Eh non, il y a encore une télé au-dessus. Oh, putain. Mais c'est spécial, hein, quand même. Oh là là. Bon, ben voilà, la maison est nettoyée. Ah, non, il y a ça qui est un peu cracra. Voilà. Il reste encore... Oui, des traces sur le mur. Bon. Il y a des trucs à refaire, à ranger. Honnêtement, oui, je vais peut-être faire un peu moins de trucs, là, d'ordi. Hein. Il y aura déjà... Je vais faire le bureau ici, plutôt. C'est fait pour. Je voulais mettre une chambre, mais finalement, je vais mettre plutôt le bureau ici. Je trouve ça plus logique. La chambre, bah, je vais la réaménager. Je vais laisser ça. Hein. Je trouve ça pas mal. Des rideaux. Bah non, mais il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Là, ouais, bon, ok. Et réaménager vite fait. La partie salle à manger, cuisine. Donc peut-être faire une table avec des chaises. Et un grand salon. Bah, je suis déçue dans le sens où... j'ai pas de foire à refaire. Je pourrais, hein, mais franchement, je la trouve bien comme elle est, la maison, déjà. Ouais. Ouais. Alors, oui, avant de partir, il y a un truc, je sais. Je vous ai entendu. Vous voulez absolument que je fasse les fenêtres. Vous voyez, oh, quel coup de main. Wouhou ! Les fenêtres, ça fait vraiment débat dans les commentaires, maintenant. Les fenêtres... Entre les sadiques qui aiment me voir galérer et ceux qui me disent « Ah oui, ben, dis donc, t'as pris le coup de main. » Nettoyer la vitre. Allez, hop là. Youhou. Bon, c'est vrai qu'on voit un peu mieux maintenant. Une fois qu'on passe le petit raclette. Et pas, c'est pas la raclette à fromage, hein. Non, mon Dieu. La raclette à vitre.
Voilà. Je sais que vous aimez ça. Là, 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 là. Je pense que du coup, je vais pas mettre beaucoup de temps à refaire cette maison. C'est ça qui est bien parce que j'ai pas hyper le temps là maintenant tout de suite. Donc, enfin, bon, ça ne concerne que moi. Vous aurez toujours votre épisode du mercredi. Mais moi, ça m'arrange. Ah ouais, elle est un peu crade celle-là aussi. Et j'attends toujours avec impatience le DLC pour faire les jardins. C'est toujours pas sorti et ça me frustre. Ok, elle est bien crade celle-là. Oh, il y a un arbre devant. Oh, il serait peut-être temps de faire la pelouse, monsieur. Madame. Bah oui, hein, j'ai envie que mon entreprise se développe. Maintenant que j'ai plus de missions, je suis sûre qu'il y aurait plein de missions pour aller tondre la pelouse. Limite, il n'y aurait que ça. Tondre la pelouse chez papy Germain, tondre la pelouse chez mamie Jacqueline. Non, j'ai hâte quand même. J'ai l'air, j'arrivais au bout de mon bureau là. Hein. Hop. Tac, 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 tac. Wouhou! Un petit looping. Par contre, c'est vraiment un champ hein, dehors. Oh, vous avez vu la hauteur de l'herbe? En vrai, j'adorerais marcher dedans, quoi, en espérant qu'il n'y ait pas de crotte de chien. Mais c'est la jungle. Hein. On peut rien faire. Est-ce qu'on va trouver un trèfle à quatre feuilles? Ça pourrait me porter chance. Ah non. Et la meuf qui commence à regarder les. Mais vous savez quoi? Je peux faire une photo, ils ont dit. Ah, je peux améliorer. Bon, bah, de toute façon, je sais pas plus. Voilà. Je vais faire une photo. Nouvelle photo enregistrée. Bah oui, parce que je vous avais montré la dernière fois qu'on pouvait faire des photos soi-même. Je pouvais importer des trucs. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas fait. J'ai oublié. Faudrait vraiment que je le fasse à l'occasion. Mais je le ferai, je le ferai et inventer, à mettre des nouveaux cadres. Donc le pari, c'est que je vais mettre les photos des trèfles là. Je vais le mettre dans cette maison-là. Ouh, attention! Je suis caché. Je suis comme dans Fortnite, je suis dans les buissons. Bon, ceux qui n'ont pas joué à Fortnite ne peuvent pas savoir pourquoi là il n'y a rien. Et d'un seul coup, c'est la jungle. Ah oui. Et puis ils sont ici comme ça. Tac, tac. Bon, il y a un d'excitant. Mais bon, j'aurais bien fait tondu la pelouse quand même. On va continuer avec nos vitres. Non, est-ce que je les ai toutes faites? Je les ai toutes faites. Mais je les ai toutes faites, les vitres. Oh, mais c'est magnifique. Bon. Ben, dans ce cas-là, moi, je voulais vous laisser ici. Je vais refaire la petite maison à ma sauce. Bon, du coup, comme ce sera pas une maison de challenge comme vous m'avez proposé, mais je les garde en tête, hein, il n'y a pas de souci. Celle-là, je vais vraiment juste réaménager rapidement. Et puis, ben, voilà, la vendre sans refaire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à refaire, donc c'est ça qui est bien aussi. Allez, je vous retrouve juste après. Et revoilà, avec la maison refaite à neuf. Bon, elle n'était pas trop endommagée, mais nous allons visiter tout de suite. J'ai été plutôt rapide. Da 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 da. Voilà. Déjà un indice de ce que. Non, c'est celle-là. Il faut fermer. Le petit tapis welcome jaune. Là, vous voyez. Oh là là, il y a de la couleur. Elle a refait son truc de couleur. Ouais, un peu. Ben, il y a des trucs que j'ai pas changé en fait. Donc, on a dans l'espèce d'entrée couloir le meuble de chaussures avec le petit miroir pour se refaire une beauté avant de partir. Ici, nous avons un magnifique tableau d'une de mes photos personnelles. Que voilà. Et puis, voilà. Le salon. Donc, vous voyez, j'ai réutilisé les poufs, le canapé. Ici, c'est resté pareil aussi. La télé et le meuble télé, le ventilateur. J'ai ajouté la table basse, les tapis. Les plantes, bien sûr. Les petites tables sur les côtés avec les lampes. Alors, il y en a une qui est allumée comme ça, l'autre, elle est pour allumer, alors qu'elle est allumée, hein. Bon, bref, hein, voilà. Ce tableau, c'est une image des Sims que j'avais faite quand j'avais été à Selva de Vrada. J'avais fait une pause et j'avais le perroquet, donc j'étais faire une photo. Donc,
Voilà, comme ça vous pourrez voir mes chefs-d'œuvre des Sims. L, O, L. L'ordinateur, ce n'est pas le mien, c'est celui donc qu'on a trouvé à la base. Ouais, une petite plante, tout ça, truc de DVD, des télécommandes, une bibliothèque avec des bouquins et le portrait du petit chat, comme d'habitude. Là, bah, la version cuisine améliorée. Alors, le meuble qui était là-bas, là, il est ici, il fait office un peu de coin. J'ai rangé les tasses, j'ai mis une gazinière, j'ai laissé à peu près ça, j'ai le grille-pain, machin, ça j'ai laissé. J'ai ajouté une espèce d'armoire vaisselier avec des petites plantes, machin, la fameuse photo des trèfles que j'avais fait au début, et une table ronde avec quatre chaises. J'ai rajouté aussi les carrelages sur le sol pour éclairer, parce que ça faisait vraiment très très sombre, vu que j'ai pas changé du tout la couleur des murs. Voilà, c'est assez coloré, assez vivant, plutôt pas mal, moi je dirais. Après, c'est mes goûts, hein, si vous aimez pas. Salle de bain! La salle de bain, ça je vous avais dit que j'avais pas changé grand-chose. J'ai quand même changé ce truc-là et les toilettes. Et rajouté le lave-linge et le truc-là. Couleur dominante, du coup, gris. Mais j'ai mis des petits tapis bien flashy, la petite lampe bien flashy. Et ceci est la baie de Calvi, pareil, que j'ai faite moi-même quand j'étais en vacances de Calvi, depuis l'appartement auquel on était. C'est trop bien, parce qu'on avait trop bien la vue sur la plage, comme ça, on pouvait même compter le nombre de personnes qui avaient dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, on voyait très bien. Parce que je cherchais des tableaux avec la couleur violette, et c'est pas facile! Donc, heureusement qu'on peut faire ses propres photos, c'est trop bien. Et je n'ai pas changé, donc, bah, la douche. On va savoir si ils vont être contents ou pas. En même temps, je m'en fiche, c'est trop tard. On va aller ici dans l'espace bureau. C'était un peu tricky de passer de faire passer les deux bureaux. Mais j'ai réussi. J'ai gardé que deux écrans et pas trois. Et voilà, le KGB pour mettre ses, je sais pas quoi, ses pièces de PC, tout ça. Avec deux tasses de café, le store, la lumière, le tapis. Voilà, hein, comme ça monsieur pourra streamer. Ou madame, hein, on ne sait pas, pourra streamer en live dans son local exprès pour les lives. Et dernière pièce, la chambre. La chambre qui est quand même assez féminine, mais comme le lit avait les mêmes couleurs comme ça, j'ai changé le lit parce que j'ai mis la couleur du bois en foncé et pas en blanc, sinon ça jurait avec le meuble de l'armoire là et le meuble ici. Vous voyez, j'ai pas changé grand-chose. J'ai viré les quatre écrans qui étaient là. J'ai rajouté vite fait une plante, un cadre. J'ai mis des rideaux Parme, les lampes Parme avec les petites tables, le tapis. Voilà, c'est pas énorme, hein. J'ai pas fait de grands changements, mais la maison est en bon état et franchement, voilà, juste pimpé au mieux, amélioré et ça fait le taf quoi. Je suis assez contente, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a fait le tour pour la maison. Voilà, bon, ouais, je suis contente. C'est plutôt pas mal. Elle est plutôt sympathique. Et vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu de vue vos challenges que vous m'avez donnés, évidemment. Et on n'a bien sûr pas fait le jardin, toujours pas. C'est parti pour la vente de la maison. Donc je l'ai achetée à 52 155 euros. Elle a une surface de 94 mètres carrés. 81. 4 chambres et je dispose de 260. J'ai mis 1h40. Comme quoi, là, comme j'ai vraiment pas retouché ni les murs, ni la peinture, vraiment vite fait le sol une fois, j'ai rien retouché. Ça m'a fait gagner un temps de dingue. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt bien. Donc en 1h40, combien de thunes je vais me faire? Attention! Il y a une grande chambre, c'est top. Je comprends pas quoi faire cette cuisine. On a compris que tu voulais pas de cuisine. Alors, les locataires qui ont deux. En l'instant, donc, j'ai acheté à 52 000, c'est à 90 000, 91 000 maintenant. Ça va, ça a 40 000 de plus, quoi. Ouais, mais 95 000, ouais. Gagnant 99 346, et ça devient intéressant. Alors que monsieur, je t'en ai vendu je ne sais combien de baraques, t'aurais pu le faire toi-même. On va arrondir l'achat de à peu près 700 euros pour faire 100 000. Donc, pas être grand chose. Voilà, 711, je peux pas faire tac. Pour faire au moins les 100 000 Sims, je voulais dire 100 000 euros. Ta 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 ta, achat de la maison, négociation. Donc, ça me fait un bénéfice de 46 000
euros. J'accepte l'offre, évidemment. Nous avons signé le petit papier, le compromis de vente et... Basta! Et nous revoilà chez nous! Oui, donc, vous inquiétez pas, je changerai de maison un jour. C'était pas celle-là qui m'était destinée, je l'ai su tout de suite. Même si c'était la maison d'un gamer, je me suis dit, non, ça, non, je veux pas de celle-là. Donc, cette petite maison sera vendue, mais prochainement, quand on aura élu domicile dans une autre. Mais elle est tellement minuscule, mais elle est vivable, hein. Partie salon, partie couchage, partie manger, partie, voilà. Tout ça, tout ça. Allez, moi, c'est là-dessus que je vous quitte pour cet épisode de House Flipper. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un commentaire. Je suis ouverte aussi pour les défis, toujours les petits challenges, que ce soit la pièce, une pièce telle au thème de cette couleur-là ou quoi. Je note tout et j'essaierai de faire au mieux. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de House Flipper ou d'autres choses. Salut!